Mon initiative positive à moi, c'est de me présenter, mais sur une candidature collective, à l'élection présidentielle de 2017. De me mettre au service sur un temps donné. Et j'ai décidé que c'était un moment de cette campagne, donc j'ai décidé que je faisais ma part à un moment donné. C'est une initiative hyper transparente depuis le départ, avec une plateforme où tout le monde pouvait se présenter à l'élection présidentielle. Donc une façon de renverser le système, de dire on n'a pas besoin des partis, soyons tous candidats, avec un processus extrêmement démocratique, transparent, avec des nouveaux votes, des nouvelles façons de voter. Le jugement majoritaire, on ne vote pas pour une personne, on évalue chacun des projets. Et puis un appel autour de l'appel d'Edgar Morin qui voulait changer le monde avant nous. Déjà, autour de l'humanisme et d'un projet positif pour la société. Donc bah, ça entraîne, il y a un côté c'était impossible mais c'est pas grave, on le fait quand même, avec à chaque fois qu'on réussit une petite étape, des gens qui disent « ah ouais quand même ». Ça marche, oui, ça marche. Sur la primaire.org, on nous a dit « je vous aurai jamais 100 000 inscrits sur la plateforme », il y a eu 120 000 inscrits. Vous direz « j'aurai jamais suffisamment de votants », il y a eu 32 000 votants, c'est énorme, en vrai c'est énorme. On nous a dit « vous aurez jamais de médias », on a une couverture presse, même si elle n'est pas sur les grandes télés, on a vraiment une grosse couverture presse. Maintenant, si vous n'aurez jamais les 500 signatures, je pense qu'on en est à la moitié, c'est énorme. Ça sera une vraie révolution de passer là. Et donc à chaque fois, c'est de dire « c'est possible ». C'est à chaque fois, c'est de déjouer le fatalisme et dire « c'est possible ». Et puis de le faire assez simplement. Enfin, c'est de dire, ben voilà, un pas après l'autre, et puis on fait notre part. On propose une solution. Les gens trouvent ça plutôt rafraîchissant. Ils y croient plus ou moins. Mais c'est plutôt très bien accueilli, rien que dans le dire, oh, ouais, faisons quelque chose. On a des gens qui sont jamais allés voir un élu de leur vie, qui se disent, eh ben attends, si, je vais aller voir mon élu et je vais lui demander de signer pour toi. Et c'est de l'empowerment partagé, on va dire. Moi, je suis porte-parole, donc évidemment, je suis contente. C'est magnifique de vivre un tel enthousiasme, de rencontrer des gens partout, d'avoir des milliers de personnes qui s'inscrivent. Ça m'énergétise, c'est et puis l'énergie des gens. Le fait de ne pas subir, de ne pas voter contre, encore une fois, de ne pas être spectatrice. On a réfléchi, quand je suis sortie deuxième cet été du premier processus de vote, je me suis dit, oh, j'arrête, j'ai pas les moyens financiers, j'ai pas les moyens humains, je travaille, j'ai un mandat local, enfin, j'ai trois enfants et deux enfants de famille recomposée, donc comment on va faire? Et en même temps, eh ben, c'était moins fatigant d'être pour, d'avoir un projet, de proposer quelque chose que de subir et de regarder en disant « Ah, je vais pas voter, ah, je les aime pas, ah, c'est horrible ce qui se passe. » Donc ça satisfait chez moi le besoin d'action. Un sentiment de responsabilité. Le pire est possible, hein, comme dit Edgar Morin, mais le meilleur aussi. Et on le voit le meilleur au quotidien. Et voilà, c'est ça qui me donne envie de passer dans le nouveau monde, un monde dans lequel c'est plutôt le meilleur qui advient et pas le pire. La finance, le fait qu'on soit dans un système complètement verrouillé par des banques d'affaires et basé sur une finance déconnectée de notre économie, de la réalité des gens, qu'on soit sur un monde avec justement des politiques à l'Assemblée nationale qui sont 75% d'hommes blancs de classe supérieure qui n'ont jamais bossé, qui pour certains se représentent pour la 7e fois leur mandat, de se dire mais attends, c'est pas possible, c'est pas ça la France, ça nous ressemble pas. D'être dans un monde où les puissances des lobbies pharmaceutiques, agroalimentaires, du tabac sont plus forts que la volonté populaire, ça n'est pas normal. Et d'autre part, avec un vrai risque d'effondrement climatique, on en parle depuis la COP21, on se dit on signe des accords, mais en vrai, dans la réalité, on ne voit pas vraiment les effets, avec un risque d'effondrement financier, on a déjà payé pour remettre les banques en route, mais ils ont fait des profits, mais quand ça va s'écrouler la prochaine fois, on ne pourra pas payer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et puis géopolitique, avec on a vu le terrorisme, et lutter contre le terrorisme, on peut lutter par l'argent, on peut lutter en sortant du pétrole, c'est des vraies façons de lutter, on peut lutter par l'éducation populaire, on peut lutter en remettant du pouvoir dans les quartiers, et c'est là que ça va se passer. Et puis Trump et Poutine de chaque côté, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Comment on se met en route? Et là, on a quand même des candidats à la présidentielle qui sont plutôt complaisants avec certaines de ces dictatures. Enfin, en tout cas, et tout ça, ça m'inquiète profondément. C'est aussi à quel point les gens en ont marre partout. Et où qu'on aille, quand on va parler avec des gens dans la rue, au salon de l'agriculture, dans les villages, le ras-le-bol
de la politique est immense. Et ça, c'est grave. Tout le projet qu'on porte au niveau politique, c'est de dire qu'il faut arrêter d'être un contre-pouvoir. En tout cas, moi j'en ai marre, après 20 ans de monde associatif, d'être un contre-pouvoir, d'être invité à la marche, d'être consulté de temps en temps. Parce que les initiatives, elles existent, la France, elle est déjà en train de changer. Même la démocratie locale, il y a plein de maires qui font autrement, qui ont complètement changé les règles. Mais au niveau national, on nous sort de temps en temps, puis on nous remet dans la boîte quand société civile. Un projet de société avant tout, en disant on s'appuie sur Edgar Morin, on veut de la démocratie, on veut une constituante, pas forcément une 6e république, hein, c'est peut-être une première démocratie durable, c'est peut-être une 2e commune, c'est pas moi qui décide, c'est les citoyens qui vont décider et on va les accompagner. Donc d'abord une nouvelle démocratie. On rencontre des freins financiers. Il y a les 500 parrainages d'élus, ça c'est un vrai frein, non seulement parce que c'est beaucoup, parce que c'est sur 30 départements, mais surtout parce qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui ont peur, qui disent bah, « moi si je donne ma signature, je peux avoir des pressions, je peux perdre des subventions ». Et ça c'est dramatique. Comment un élu de la République peut-il faire pression sur un autre élu de la République sous prétexte qu'il a joué son rôle de grand électeur? C'est gravissime. Et puis des freins médiatiques. Et honnêtement, on n'est pas encore invité beaucoup dans les grands médias. On a eu beaucoup de presse, on a de la radio, mais les grandes chaînes, c'est pas encore ça. De se dire, même si c'est fou, allons-y, parce que bah, ça vaut le coup. C'est très fatigant de subir, c'est très fatigant de se dire, j'en peux plus. Mais agir à son niveau, c'est pas, je veux surtout pas être dans l'injonction, hein, parce que ça, c'est pire que tout. Mais quand on sent qu'on n'en peut plus, bah, faut se lancer. Et écoutez-vous d'abord. Et si c'est le bon moment pour vous, alors oui, lancez-vous. Et puis il y a plein de soutien, il y a plein de réseaux, il y a plein de gens qui sont là pour aider. Je ne suis pas toute seule, je me suis lancée, mais parce qu'il y a eu plein de gens autour, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Ok, vas-y, on y va, tu as déjà fait plein de choses dans ta vie et du coup, on a confiance en toi sur ce coup-là. » Et puis on était garde-fous aussi. Je sais que si j'avais chopé la grosse tête, j'ai 10 personnes pour me dire « Ouh, on redescend tout de suite !» Et donc c'est aussi ça, c'est avoir un conseil, c'est de se dire bah, « Si j'ai peur de quelque chose, comment je peux répondre à ces peurs-là ? » Allez, on rêve. Alors, du coup, j'ai mes 500 parrainages et par une série d'événements qui arrivent, par les affaires, par un rebond, par le fait de se dire on ne veut pas voter du populisme, on veut dans un monde positif parce que l'identité de la France, c'est le pays des droits de l'homme, je suis élue présidente de la République. Alors, du coup, déjà, j'habite pas à l'Élysée. Du coup, déjà, on réduit tous les salaires. Moi, 2200 euros, c'est le salaire médian français. On met tous les élus à 2200 euros. Ça peut que les pousser à faire monter. Non, mais j'ai pas besoin de plus. Enfin, voilà, il y a un moment donné, c'est aussi ça. La politique d'égalité qu'on veut. Et encore, 2200, c'est plus que beaucoup de Français. On fait une grande garden party à l'Élysée. On installe des potagers collectifs, on en fait un musée de la démocratie vivante, on fait du logement, on crée une constituante et on s'y met tous. On écrit une nouvelle constitution pour notre pays. On a un parlement citoyen aux législatives et on a tout d'un coup un parlement qui nous ressemble avec 52% de femmes, avec alors je ne sais plus le pourcentage de moins de 25 ans, mais on a 10% de moins de 25 ans sur ce parlement. On a des gens qui ont travaillé, des gens qui ont été chômeurs. On n'a aucun cumulard, ça c'est magnifique. Et là on commence vraiment à faire des lois qui permettent de bien vivre, qui permettent de sortir du lobby bancaire, de séparer les banques d'affaires. Et on commence à créer ce nouveau monde. Et dans 2 ans, on a une nouvelle constitution, je démissionne, et du coup, il n'y a plus de président de la République, et on a une nouvelle forme de gouvernement horizontale, participative. Si on rêve un tout petit peu moins que mon élection à la présidence de la République, si ça fait rêver les gens, ce dont je suis convaincue, c'est qu'en 2020, au municipal, c'est un raz-de-marée citoyen. Et donc là, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça va permettre de créer des listes pour 2020. Et une fois qu'on a pris les villes, bah, ça change pas mal de choses parce qu'il y a énormément de pouvoir aux villes. On lance un archipel citoyen de candidatures aux législatives. Et comme j'ai pas de parti, comme j'ai pas de dogme, on a juste un parti éphémère pour se présenter, et ben on va soutenir plein d'initiatives différentes partout sur le territoire. La Belle Démocratie, la Relève Citoyenne, Ma Voix, toutes ces initiatives citoyennes qui vont présenter des députés d'une façon différente, des députés citoyens pour renouveler l'Assemblée nationale. Et ça, c'est génial. Je suis convaincue qu'on arrive à ce moment de frémissement qui va peut-être devenir une ébullition où toutes ces initiatives, elles font réseau parce que vous êtes là, parce qu'il y a plein de médias indépendants, parce qu'on a nos propres médias et qu'on est capable de passer à l'échelle nationale et de
et de passer dans le nouveau monde.